17 juin 1815, à cette place même, l'empereur fit à ma mère ses adieux. J'étais présent, je me revois. Il questionna la reine Hortense à mon sujet. Il s'inquiétait de savoir si j'étais intelligent. Il ne devrait pas parler de cela. Cette question sera toujours posée à mon égard, elle ne sera jamais résolue. Toujours est-il qu'il pria ma mère de me remettre un jour cette perle qui avait appartenu à l'impératrice Joséphine. Aaujourd'hui, 17 juin 1865, 50 années plus tard, puisque nous sommes entre intimes, souffrez que devant vous je l'offre à l'impératrice. Je viens prier pour ceux qui se battent pour délivrer la France. Je veux qu'on ajoute cette perle au trésor de la Vierge. Adios, Padre. Ved con Dios, Majestad. Quelle perle, monsieur? Celle qui se trouve au front de la Vierge Marie. C'est en 1914, monsieur Kundam, très âgé, m'a prié de l'ajouter au trésor de la Vierge Marie, afin qu'elle prie en pitié tous ceux qui se battaient pour délivrer la France. Et cette dame, c'était... L'impératrice Eugénie, monsieur. Ah. Merci, mon père. Et voilà l'histoire de la troisième perle.